à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, là je suis en voiture. Aujourd'hui on va faire un shooting photo avec Tom. Je suis déjà en tenue, donc on va shooter pas mal de vêtements de la marque Kingsland. Il y aura quelques trucs de chez Spooks et de chez Orz, mais ça va être pas mal du Kingsland. Donc comme je vous disais, je suis déjà en tenue, mais là on part chez mes parents du coup, parce que évidemment j'ai oublié ma trousse de maquillage, donc j'ai pas pu me maquiller chez Tom, donc je vais me maquiller chez mes parents. Et en fait, comme le lieu du shooting est à côté de chez mes parents, donc il y a 7-8 minutes, ça me fait pas un gros détour et ça ne fait pas trop perdre de temps, parce que de toute façon il aurait fallu qu'on passe par devant chez eux, donc ça change pas grand chose sur ce point là mais du coup je vous emmène avec moi et c'est parti. Bon, on est arrivé sur le lieu du shooting, on s'est garé, on est en train de marcher vers l'endroit qui était joli dans nos souvenirs. Et en fait, il y avait des arbres avec un pont et tout, c'était sympa. Et on vient de passer devant un endroit où il y avait un pont en effet, et où c'était barré, et ils ont tout rasé, la terre était retournée et tout. Donc on espère que c'était pas ça, parce que dans nos souvenirs c'était pas du tout comme ça. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'ils ont tout massacré, et franchement ça commence à être chiant de voir que à chaque fois qu'il y a des trucs jolis, à chaque fois tout est massacré. Donc on va avancer, on va essayer de retrouver l'endroit qu'on avait trouvé qui était sympa pour faire les photos. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu la dernière. On est pas passé par là. Non, on est pas passé par là. On était là-bas. Ouais. Moi, j'ai un peu froid, j'aurais dû mettre un pull supplémentaire ou je ne sais quoi. Bon, du coup on a retrouvé l'endroit, mais ils ont tout détruit. Regardez, ça ressemble plus à rien. Genre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est dégueulasse. Et genre à un moment donné, bah ça saoule quoi, que tout soit détruit. Et ouais, clairement c'était super beau, genre il y avait des arbres partout et tout. Et ils ont tout rasé, genre... Il n'y a plus rien nulle part, tu vas dans une forêt, tout est détruit, les gens ils balancent leurs déchets, tout genre normal quoi. Là-bas. Je me mets ici. Je veux venir voir si ça tient. Je me mets là du coup. Pas trop près, non. Là. Il est tout là-bas. En fait, c'est juste qu'il y a la truc ici, donc. Bon, on change de place. Quoi ? Voir si tu es comme ça. Je peux me mettre comme ça si tu veux, oui. J'ai quand même peur du vide, tu sais que j'ai le vertige pour de vrai. Non mais là, parce que je voulais que tu te mettes dans l'autre sens. Comme ça? Non. Comme que tes jambes soient de l'autre côté. Hein? Ah non, je fais pas ça. Désolée. Je peux pas. Je peux faire, tu veux, c'est ça. Ça, je peux. Ouais, tu peux.
que c'est assez lumineux, oui. Je change mes cheveux de place un peu pour voir si c'est mieux. Je sais pas si vous voyez, mais on vient de se mettre dans une merde, mais je vais me casser la goule. On vient de se mettre dans une merde profonde. Je vais pas trop loin. Non, je voudrais en prendre une sur toi qui monte. Ah, ok. J'espère que les photos vont être belles et j'espère qu'elles vont plaire sur Insta parce que franchement, là, on s'est vraiment mis en quatre. Et on est vraiment dans une grosse merde. Je sais pas si on va réussir à traverser jusque là-bas pour retrouver la voiture. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Là je suis rentrée à l'écurie. Il y a mes trois chevaux qui sont dedans. Da Vinci en miroir arc-en-ciel. Du coup, si vous voulez voir les photos qu'on a fait, allez me suivre sur Instagram. Vous avez mon Instagram dans la description et sur ma page. Et voilà, c'est tout. Et sur ce, je vous dis à demain.